Dans le cadre de la campagne de sécurité routière qui a commencé, lancée samedi dernier, le gouvernement il a comme man policymakers, il est important qu'il renforce ben la loi pour qu'il nous amène sécurité routière. Et nous dans le secteur privé aussi qui viennent avec beaucoup de mesures, surtout ceux qui viennent avec un protocole de comportement avec mon employé, et ça peut tous quand même un grand maximum de mon employé qui peut travailler dans le secteur privé. Et nous aussi, la société civile, il est important qu'il nous prend en action et surtout nous active quand même dans sa campagne-là. Quand on trouve l'année dernière, il y a 157 morts, cette année-ci déjà 19 dans un mois et demi, nous trouvons sa proportion-là de relativement pareil. Donc il est important qu'il commence par une mesure, et parmi ces mesures, là, il y a la sensibilisation qu'il peut faire. La société civile a un rôle très très important à jouer, parce que c'est toujours en contact avec la base même, avec les citoyens dans les communautés, au sein du village, surtout là, nous cause surtout les petits motocyclistes, les mobilettes, bicyclettes, les petits usagers de la route. Il est important qu'ils amènent une campagne de sensibilisation vers eux. Et nous, dans cette campagne-là, c'est qu'ils nous peut sortir avec un autocollant. Et cet autocollant-là, nous pouvons distribuer avec un usager de la route, surtout un automobiliste. Et nous peut demander à ce qui une organisation organise encore plus une petite session de sensibilisation, d'information au sein du village, au sein des autres quartiers et dans d'autres milieux, comme dire, pour tous les citoyens qui peut-être pas rentre dans sa grande campagne qui le secteur privé peut faire. Mais bien souvent, nous réalisons aussi qu'il y a des Mauriciens et une tendance et une sensibilité pendant un moment, pendant qu'il la campagne là, c'est-à-dire il est encore vert, c'est-à-dire je prends des précautions, mais après avec les temps, il retourne normal. Nous pensons, nous la société civile, surtout les ONG, et un rôle très très important à jouer pour capable soutenir ça dans le temps. Donc il est important qu'il y ait un message continu et dans la sensibilisation continue dans la population.